Pour cette enquête, nous allons être accompagnés par Stéphane, le phénix, magnétiseur, médium. Et Caroline Kilform. Nous sommes dans le Vaucluse sur un site d'un château construit au XVIe siècle et fut remis en état en 1799 suite à un incendie, mais le propriétaire se fera assassiner quelques semaines plus tard par son épouse. Par la suite, il a été transformé en préventorium pour adultes et enfants dans les années 30. Tout le site a été actif jusqu'en 2018. C'est une crew Kinect et caméra Sony. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont vécu ici ? Imprimante matricielle. J'allais dire, au pire, je vais voir un peu là-bas. Ouais, non, c'est la forme. C'est la forme du placard qui prend. C'est le placard qui prend. Pas sûr, je sais pas. Non, là, c'est chiottes.
Non, ils sont montés. Là. Vous êtes où? Hola! Comment ça se perd? C'est ça. Faut qu'il attende. Allô? Vous êtes où? Oula? Ben ouais, je suis pour goûter. Ah, voilà. On est dans la seule cuisine? Ah. Ouais, vous étiez monté. Alors, il y a deux passages. Et tous sont rejoints, de toute façon, on peut prendre là et ça va monter encore plus haut. Oui, peu importe. Hein. Ouais. Moi, je te dis, bon, on va, on se cale un lieu. Là-haut. Ouais. Ah, et après, on en fait l'autre, et voilà. Alors, lui, là-haut, à droite. Alors, avant, vous pouvez passer. Attends, ouais. Parce qu'on se perd vite, on n'entend plus rien. C'est sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô? Je crois qu'on a perdu Caroline. Ouais. Ah. Vous êtes parti où? Là, en haut. Ouais, on se perd vite. Hein. Ça va, je me repère. Et là, vous êtes pas écrit en tout en bas, là, dans l'allée? Nous, cet après-midi, on a rencontré les trous. Et avec la famille, il y en a un en bas. Il n'y a pas de consenti spécial. Tu me dis si tu veux te jeter, parce que tu as beaucoup de choses en ouais, main. Non. Ça a dû fermer en 80, je sais pas, 70 000, tu vois. Ah oui, d'accord. Oui, donc il y a eu du monde jusqu'en 2000. Ah oui. Par contre, ça appartenait à Médéric, c'est là 2700. Peut-être les frais. C'est un centre d'asthmatique, donc l'air de la montagne, mais centre tuberculeux. Après la tuberculose psychiatrique d'enfants, donc tuberculose, ils ont isolé du monde, hein, en fait. Oui, ils ont eu, mais c'est. Il y en a un peu moins, là. Ouais. Non, depuis les vaccins. Oui. Quand ils sont efficaces, ça marche. Centre de convalescence pédiatrique. Ouais, quoi. Ah, t'as pas des prénoms? Si. Du malade? Si. Ah bien. Bon, tu veux... Alors, on se cale vers où? Dis-moi. Je te suis. On peut monter si vous voulez. Bah, c'est surtout quand on se cale à un endroit que j'ai envie de se taper le... Bah, c'est surtout quand on se cale à un endroit que j'ai envie de se taper le...
C'est surtout quand elle a un endroit que Jean-Louis se tape pas le sac à dos toute la soirée. C'est surtout quand elle a un endroit que Jean-Louis se tape pas le sac à dos toute la soirée. C'est surtout quand elle a un endroit que Jean-Louis se tape pas le sac à dos toute la soirée. Est-ce que t'as un truc pour capter, toi, Jean-Louis? Moi, c'est pas que je capte. Moi, c'est si les entités ont envie de. Eh oui, c'est voilà, ça. Donc, moi, j'ai pas d'appareil spécial. Ouais. Ouais. Non, c'est pour ça que. Le spot, c'est implanté ici, voilà. Le spot, il est ici, là. Ce serait. Non, ici, c'est bien. Ça va mal se passer ici. Vraiment. Et ça peut rejoindre la chapelle et tout, par là. C'est un labyrinthe ici. Hein. De quoi? On peut rejoindre la chapelle ici. Ouais, tu veux quoi? Regarde. Moi, on peut rester là. Ouais. Je cale les caméras de chaque côté du couloir, tout au bout du couloir. Regarde, je capte. On peut mettre une caméra vers là, une caméra vers là, une caméra vers là. C'est ça. On met une caméra vers là. Là, ça rentre dans le corps, tu vois. Ouais, ouais. Allez. Et après, on voit. Avant de continuer cette vidéo, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour avoir les dernières notifications. Et si vous aimez ce que nous faisons, mettez un petit pouce, ça nous fera toujours plaisir. Y a-t-il une entité avec nous? Une personne? Un défunt? Hein? J'aime pas dire oui. Y a-t-il une entité avec nous? Une personne? Un défunt? Hein? J'aime pas dire oui. Y a-t-il une entité avec nous? Une personne? Un défunt? Hein? J'aime pas dire oui. Y a-t-il une entité avec nous? Une personne? Un défunt? Hein? J'aime pas dire oui. Y a-t-il une entité avec nous? Une personne? Un défunt? Hein? J'aime pas dire oui. T'as entendu? Ouais. Moi aussi, j'ai entendu. J'ai entendu, moi aussi. Ah, direct. Ça fait oui. Ouais. Est-ce qu'il y a une petite fille là? Ah, ah, là. Approche-toi du boîtier musical. Ah. Vas-y. Est-ce qu'il y a une petite fille avec nous? Un petit garçon. Ou un petit garçon. Vous pouvez faire du bruit? Je m'appelle Stéphane, vous me connaissez, je viens plusieurs fois. Je viens tout le temps essayer de vous aider. Est-ce que vous avez besoin de mon aide? Est-ce que vous êtes nombreux encore ici? Y a-t-il encore les premiers propriétaires de ce bâtiment? De ce château?
Y a-t-il encore les premiers propriétaires de ce bâtiment? De ce château? Y a-t-il encore les premiers propriétaires de ce bâtiment? De ce château? Sur le sol, on vous a mis des appareils qui peuvent nous aider à montrer que vous êtes ici avec nous. Donc, tu as vu, je t'ai mis un nounours sur le sol. Ou un autre boîtier, tu peux t'approcher, il fera de la lumière. Et si tu t'approches assez, excuse-moi, il jouera de la musique. Tu veux t'approcher? Voilà. C'est bien comme ça. Mais tu veux pas de moi? Voilà. Attends, on va vérifier. Si c'est là. Ouais, mais regarde. C'est le boîtier musical là. Ah, c'est le boîtier. Ouais, c'est, on a entendu une note. Et normalement, en fait, il y a un capteur infrarouge. Et si on s'approche assez et assez longtemps, ça enclenche la boîte musicale qui est au-dessus. D'accord. Pas par la présence de nous. Non, non. Bah après, non, c'est pas. Si tu t'approches, tu te colles contre, oui. Oui, oui, non, oui. C'est à, voilà, c'est à 30 cm. Okay. Je connais ça, la tête, mais ouais. Est-ce que tu as 10 ans? Ton âge, 10 ans? Et quoi, là? C'est éteint? On a perdu une lumière, non? Ou c'est moi? Non, j'en vois pas. Je vois que c'est toujours pareil. Ouais, j'ai mon petit maintenant. Tiens. Ah oui, ça a rallumé. Ok. Attends. Ouais. C'est lequel qui sonne? C'est lui. Ils sont pas tout seuls, hein? Non. Approchez-vous de nous. Ou, si vous avez pas envie, vous pouvez vous approcher seulement des appareils pour signaler votre présence. On vous laisse le choix, en fait, comme vous voulez. Vous êtes ici chez vous. Oh, attends, je crois qu'il... Oh, il y a une vanne qui s'est levée d'un coup, là. Ouais. Comme dans le monde. Est-ce que tu peux te connecter avant? Je ne te veux pas de mal. Je peux toucher les mains, si tu veux. Je suis un petit peu perdu dans le noir, tu peux m'aider à prendre de la lumière. Est-ce que le mouvement s'il te plaît? Venez vers moi, ou vers Stéphane, ou qui d'autre, qui vous voulez. Est-ce que tu as un garçon? Si oui, tu peux me dire la lumière deux fois. C'est quoi ça, me rappelle? C'est quoi ça, là? Est-ce que vous êtes deux? C'est quoi ce truc? Pourquoi? Ben, je sais pas, j'ai une boule. C'est quoi ce bordel? Oui, il y a un truc là. Bastien. Je vois une boule. C'est un ballon.
Il y a un ballon là. Bien, merci, c'est bon. Attends. Ah putain, c'est ça là. Je peux prendre des émotions, je peux venir à moi. Je peux parler au travers des micros qui sont placés sur l'appareil. Parce que celui-là, j'ai besoin de marcher sur les véhicules. De lumière bleue. Problème résolu. Parce que c'est toi qui chauffe le bout de mes doigts. Alors, on va se mettre un point. Pour un oui, tu vas s'éclairer. Pour un non, tu peux mettre deux points. Pour un Bastien. Bastien, tu as 10 ans. Alors, est-ce que tu t'appelles Bastien? Est-ce que tu es une petite fille? Je pense pas. Tu aimes, monsieur, porter des lunettes ou un casque pour ton œil droit. Tu aimes mal à ton œil droit. Oui, bravo. Est-ce que tu avais la tuberculose? Est-ce que tu viens de cette époque-là? C'est quoi ça? Oh, mais il souffle une force, hein? Ouais. Ah oui, plus que tout à l'heure, oui. En plus, c'est la tempête. C'est ça. Alors, est-ce que tu es le petit garçon qui a mal à la main? Ou la petite fille? En revanche. T'approcher de la lumière verte que je viens d'allumer. Je vais vous faire cet appareil. Si tu veux bien ici. Tu peux jouer avec les couleurs, les couleurs en couleurs sur cet appareil. La lumière, orange, rouge. Est-ce que tu veux bien jouer avec moi? J'aime bien les jeux. Oui, ok. Est-ce que tu peux jouer avec le verre? Est-ce que tu peux le faire clignoter ou allumer les autres? Allumer un petit peu de verre. Est-ce que la personne qui m'a dit bonsoir la dernière fois, c'est lui là? Je présente ici. C'est qui c'est lui là? Est-ce que le petit tour s'il te plaît?
Je peux faire notre jeu. Je peux faire notre jeu. Parce que là c'était là où c'était là. C'est pas derrière moi, c'est pas lui qui est sorti là. Non, pas là. Il y a. Tout à l'heure ça fait des tics là et des tics là. Et il y a le temps. Est-ce que lui il a sonné ou pas? Ça clignote ou ça sonne? Ça sonne et ça clignote aussi, t'as les LED. Qui s'allument. Après ça dépend de l'intensité. Ouais, ouais. Tu vois, ça prend 6 minutes. Est-ce que c'est toi qui fais des bruits au fond? Est-ce que tu peux te rapprocher? Est-ce que vous vous cachez? Ding, ding. Est-ce que vous pouvez vous approcher de ce côté? Venir face à moi? Est-ce que vous pouvez faire de la musique? Non, c'est celui-là, c'est le cube, comme d'habitude, celui-là. Ah, c'est le cube? Ah, celui-là qui l'a sonné. Ça ne s'arrêtait pas. Vous voyez vide ? Non, non. D'accord. Non, non, il y a quelque chose qui passe au-dessus, qui s'amuse avec. D'accord. Ok. Est-ce que tu chantes ? Est-ce que tu parles ? Ouais. Non, lui, je ne sais pas pourquoi, mais... Non, lui, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, il est normalement, tu vois. Ouais. Mais lui, depuis tout à l'heure, je le vois, il s'éteint, il s'en allume, ouais. Mais c'est pas... C'est bizarre. Est-ce que tu peux faire du bruit ? Est-ce que tu peux venir sur le micro? Est-ce que tu peux jouer avec ma lumière verte qui est à côté? Après, si c'est des enfants, ça m'étonne pas. C'est ça, c'est pour c'est ça. Joueur. C'est très joueur. Je sens quelque chose comme ça de... Ah, ouais, c'est ça. Oui, là-bas. Regarde. Alors, est-ce qu'on va jouer à cache-cache? Ah, c'est bien possible. Est-ce qu'on va jouer? Est-ce que déjà, ils ont envie de parler? Avec nous. Alors, est-ce que vous préférez Caroline? D'accord, bon. Ça veut dire oui? Ouais, oui, tu clignotes une fois la bleue. Ou alors la lumière verte. Et pour un nom, Ça clignotait chez vous là-bas aussi? Non, là. Ah, c'est là. J'ai tourné le bord. Non, c'est là, ouais, c'est là que ça a clignoté là. Là, j'ai quoi, ça a congelé? Ouais, c'est ça. Toi aussi? Ouais. C'est qui est dans le couloir? Comment tu t'appelles? Il y en a pas qu'un. Franchement, j'ai vraiment d'autres. Là où les personnes qui sont avec nous, vous pouvez essayer de communiquer à travers l'appareil que j'ai dans la main. Vous êtes combien ici? Vous êtes combien avec nous? Ouais.
Quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Vous parlez? Oui, parlez plus fort. Quel est votre prénom? Est-ce qu'on a une Samantha? Est-ce que vous connaissez Samantha? Pas beaucoup. Est-ce que c'était une enfant? Est-ce qu'elle était en psychiatrie? Oui. Ah, c'est loin. C'est loin. C'est vrai qu'avec le portail. Vous voulez vous rapprocher? J'arrive à couper, à filtrer tous les parasites. C'est un enfant. Oui, oui. Est-ce qu'on peut vous rapprocher de nous? Est-ce que vous voulez jouer avec moi? Vous voulez vous servir de Stéphane pour nous parler? Pour nous laisser un message? Oui, hein? Oui. Ah, ça a été... C'est pas loin. Allez, on va faire quelque chose. Deux clics pour non, non, deux clics pour oui, un clic pour non. Est-ce que vous êtes d'accord de vous servir de Stéphane pour communiquer avec nous, pour nous laisser un message? Deux clics pour oui, un clic pour non. Est-ce que Samantha veut parler avec moi? Ou celle qui la représente? C'est qui? Pardon? Qui représente Samantha? Non, musique. Le soignant ou la soignante de Samantha? De radio. Ah oui. Ça, c'est radio. Je vais passer un bon radio. On reprend. Est-ce qu'on a les soignants de Samantha? Non, c'est normal, je vais pas me battre quand je fais la bascule, tu sais. De Bastien? Qui est là? Qui est là?
Il est là. Vous êtes avec nous. N'hésitez pas, venez, n'ayez pas peur. On est là pour vous. Est-ce que le bruit vous gêne ? C'est ça, mais ça s'éclaire. Donc que lui, c'est... Voilà. Donc le bruit, c'est pas trop. Non. Ah, tiens, voilà, tu vois. Bim, on a arrêté. Vous préférez ? Ouais. Moi aussi. Ah, on avait dit deux pour oui, tu veux. Moi aussi, je préfère. Est-ce que vous pouvez éclairer la lumière bleue ? Tu veux t'approcher du nounours ? Ah, il y a quelqu'un de toi. De quoi ? J'ai vu personne. Ah, t'as avec Punky ? Ouais, juste là. À la porte. Allez, approche-toi. Approchez-vous. Oh, je vous dis d'approchez-vous, vous portez de l'autre côté. C'est chouette. Approchez-vous du nounours, s'il vous plaît. Est-ce que tu as aimé bavard ? Tu aimes Baba ? On part dans un nouveau... On part dans un nouveau lieu. Un nouvel endroit. Un nouveau secteur. Non, là, il n'y a plus de vent, il fait chaud. Et si le vent se relève, c'est quand même beau. C'est un faux lancement. Ah ben oui, c'est un peu ça. C'était la tempête dehors. Oh, la dernière fois, ça m'a dit bonsoir là-haut. Tu vois ? Yeah.
Ce soir, c'est pleine lune. On va essayer. Voilà. C'est chaud comme ça. J'ai un light show dedans. Gendarmerie nationale, bonsoir. Vous m'avez appelé. La dernière fois, vous m'avez appelé. Est-ce que vous êtes là? On va aller là-bas dedans. Allez, on va aller faire celui-là de bâtiment. Après la chapelle est de l'autre côté. Hein. Ouais, ouais. Psychiatrique là. Ouais, c'est ça. S'il y a des gens qui font des phrases sur la folie, c'est que. Oui. On est dans le truc psychiatrique, c'est peut-être ça. Alors, oui, j'avais des bruits de verre ici. La dernière fois. Ah, ah, voilà. Ah, ah. J'ai quelque chose. Ah. Ah. Voilà. Attends, j'ai plus rien. Mais ça c'était va. Juste là où t'étais, là, ah, dans, ouais. Dans le creux de la fenêtre. Ah, voilà, c'est... Non, ah, non, ah, c'est... Ah, si, les... bah non, là, là c'est Lisiane, mais là, il y a quelque chose derrière, là, tu vois, là. Là, regarde, là, t'as quelque chose. Ouais. La dernière fois, j'ai communiqué avec vous, ici. Là, c'était dans le creux, là, tu l'avais. Il y a aussi le groupe. Ah, après il a redisparu. Ouais. Tu sais où tu peux le trouver? Dans les escaliers, à droite des escaliers. Ouais, il était dans le creux, tu vois, là, oui. Dans le bout qui manque la fenêtre, là. De la porte, là. Ouais. Il est là. Il était là. C'est quoi? Je pense qu'on peut installer les deux pièces ici, et l'étage. Et l'étage, c'est pas immense. C'est ça, bon après... Mais je pense qu'il faut mettre des pôles rapides là, tu vois. Juste dépêcher, si voir certains gens qui sont dedans. T'as vu? Non, ouais, non, j'ai ressenti un truc là. Oui. Non, je croyais avoir entendu. Après, est-ce que c'est quelqu'un qui est monté? Une voiture, mais bon. Très très calme comme lieu. Voilà. Donc là on a fait une pause. Alors, on va voir si on va reprendre par la suite. On va voir si ça reprend un petit peu les activités. Si ce qu'on a un petit peu au début. On va vous dire tout simplement au début de l'enquête. Mais là plus rien. C'est très très calme, ça fait plus d'une heure, là c'est très très calme, il se passe plus rien du tout, plus aucun ressenti, plus rien. Donc là Stéphane et Caroline,
refont le tour du lieu pour voir si ils ressentent quelque chose, parce que c'est vraiment la première fois qu'il y a si peu d'activité. Et on voit si on reprend par la suite. Voilà. Mais en début de soirée, on a un petit peu eu de contact. Maintenant, on va voir si qu'est-ce qu'on fait, si on continue ou pas. Voilà, allez, à plus tard, merci.